Les opossums, ou sarigues, sont des marsupiaux carnivores présents sur le continent américain. L'opossum est un petit mammifère de la famille des marsupiaux. Il mesure entre 65 et 85 cm de longueur en tout, y compris la queue qui, seule, peut faire 40 cm. Avec un poids compris entre 1 et 5 kg, il n'est guère plus gros qu'un chat. Sa fourrure est d'un gris plus ou moins sombre sur tout son corps, à l'exception de la figure et de la gorge qui sont de couleur blanche, et de sa truffe qui elle est rose. Certaines espèces d'opossums ont une queue préhensile, c'est-à-dire qu'elle leur permet de s'enrouler et de s'accrocher aux objets. Ils s'en servent notamment pour grimper aux arbres. On retrouve l'opossum en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Océanie. Il passe le plus clair de sa journée à dormir dans les arbres, les crevasses de rochers, les terriers abandonnés, etc., et sort le soir pour chercher sa nourriture. Cet animal est omnivore. Il se nourrit de fruits et de graines, mais surtout d'insectes et autres petits animaux tels que des grenouilles, des serpents, des oiseaux, des vers de terre, des insectes et des petits mammifères. S'il trouve une source suffisante de nourriture sur son territoire, l'opossum ne se déplace pas à plus de 5 hectares de son nid. En revanche, si ce n'est pas le cas, il parcourt une distance 4 fois plus grande que son territoire pour s'approvisionner. L'opossum est paresseux. Plutôt que de construire son propre terrier, il s'installe dans un nid souterrain abandonné, par une moufette ou par une marmotte, par exemple. Il favorise surtout les bois et les marais. Il tapisse ensuite cette galerie de feuilles et de brindilles, afin de rendre son nouveau logis plus douillet. Il passe ensuite la majeure partie de sa journée à somnoler. En milieu urbain, il s'abrite sous le balcon d'une maison, dans le garage ou même dans les égouts. Si vous découvrez cet animal sous votre perron, ne vous inquiétez pas, contactez-nous rapidement et nous l'aiderons à retourner dans un habitat plus adapté à ses besoins. Tout comme le chat, l'opossum possède une langue rugueuse. Il utilise cette langue pour faire sa toilette, comme le félin. L'animal est propre et n'est pas reconnu pour être porteur de maladies non plus. En raison de ses pattes, l'opossum se déplace lentement et de manière maladroite. Malhabile, il élabore une stratégie pour tromper ses prédateurs, comme les hiboux et les renards. À l'approche de l'ennemi, cet animal simule sa propre mort. Il se lance tombé sur le flanc, bouche ouverte et yeux fermés. Il ralentit sa respiration et son rythme cardiaque. Il reste ainsi, complètement immobile, même lorsque le prédateur tente de le secouer. Ce dernier croit alors l'animal mort. N'étant pas charognard, il perd intérêt et quitte. Cette ruse n'est pourtant pas infaillible. Confus, l'opossum oublie parfois son propre plan, se remet à bouger et se fait prendre. Solitaire, l'opossum cherche une compagne que pour la saison des amours. Cette période dépend de l'endroit où vit l'animal, s'il est sur l'hémisphère sud ou nord. Au sud, il s'accouple de janvier à août, tandis qu'au nord, c'est plutôt de février à août. Treize jours après l'accouplement, la femelle est prête à accoucher. Elle peut donner naissance jusqu'à 20 petits par portée. Elle s'occupe seule de ses bébés, le mâle ayant déjà quitté le nid.
À leur naissance, les petits mesurent 14 mm de long chacun, soit la taille d'une abeille. Ils sont roses et n'ont pas de poils. Leurs yeux et leurs oreilles sont fermés. Les pattes postérieures et la queue ne sont encore qu'un moignon. En revanche, les pattes antérieures sont développées et même déjà équipées de griffes. Dès les premières minutes, après l'accouchement, la mère lèche généreusement ses petits pour les nettoyer. Elle lèche ensuite son ventre, afin de le rendre humide et glissant. Ses petits se glisseront à l'intérieur de la poche ventrale de leur mère. Cette poche est laineuse et chaleureuse. La femelle l'ouvre et la referme en contractant ses muscles. Malheureusement, elle contient que 13 tétines. Dans le cas où elle aurait mis au monde plus de 13 petits, ceux ne trouvant pas de tétines décéderont. Les bébés opossums commencent à téter leur mère dès leur arrivée dans poche. Ils ne la lâcheront pas avant 60 jours. Pendant ce temps, leur corps et leur fourrure se développent. Ce n'est que lorsqu'ils ouvrent leurs yeux qu'ils commencent à sortir à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, le petit est vulnérable. Sa démarche est chancelante. Il s'accroche au dos de sa mère pour de petites balades, durant lesquelles la femelle montre à sa progéniture comment trouver la nourriture et grimper aux arbres. Le jeune opossum reste très près de sa mère jusqu'au centième jour suivant sa naissance. À ce stade, il est prêt à construire son propre nid, mais ne s'éloigne pas de sa mère, ni de ses frères et sœurs. À 8 mois, il est prêt à son tour de s'accoupler. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.